Hey yo tout le monde, c'est Job, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. J'ai failli me péter la binette. Ce sont des belles couleurs. Alors, bon, je vais mettre fin au suspense. J'ai fini d'aménager, comme je vous avais dit, hein, tout ce qui est production de... des ressources de base. Voilà, vous avez une petite vue ici. Donc on a là tout ce qui est acier, on a là tout ce qui est fer, et on a là-bas tout ce qui est cuivre, hein, que j'ai pu grâce à la méthode qu'on avait vue en mettant 3 d'épaisseur de producteurs tout simplement un peu paquet, parce que sinon on n'aurait clairement pas eu assez de place. J'ai laissé tourner un petit peu, j'avais mis des stockages, pas comme c'est actuellement, mais voilà, histoire de récupérer un peu de ressources, parce que ça commence à devenir compliqué. C'était vraiment compliqué au niveau prod. Et je vous attends maintenant pour relancer, une fois que ça arrive dans tout ce qui est... Si vous voulez, j'ai mis des conteneurs intermédiaires. Des conteneurs industriels intermédiaires pour être pour juguler en fait, et pour que ce soit un peu plus simple, que ce soit tout regroupé à quelques endroits différents. Alors on va brancher, j'ai pas cliqué, j'ai plus de câble, oups, la petite bourde, on arrive. On va voir ce que ça donne. Hop, alors je vais juste récupérer ça. Récupérer quelques ressources justement pour commencer à construire la suite. Le reste de la suite, comme on dit chez nous. Ça on s'en fout. Tac. Est-ce que j'ai du câble? Oui, voilà, donc je me demandais, est-ce qu'il va m'en rester du câble quelque part? Et bon, il m'en reste. Bon, au pire, je sais où est-ce qu'il est, mais il est un peu plus loin. Alors, on va retester ça. Voilà. Donc, on va brancher tout ça. Et normalement, voilà, tout s'allume. On voit que déjà tout s'allume bien. Enfin, du moins les fonderies. Ça produit comme il faut. On voit nos lingots de fer. Alors là, c'est une partie un peu... C'est compliqué. Alors... Là, je vous montre la petite partie compliquée que j'ai dû faire pour... vous savez, pour les vis, parce que c'est 12,5 de production. Alors c'est terrible. Parce que avec les fonderies, là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. J'ai 5 fonderies qui produisent en total 150 lingots de fer à la minute. Or, de 150, pour arriver à 12,5, je suis obligé de les diviser par 2, donc... 150 par 2, 75. Je suis obligé de les diviser par 3, 150 par 3, 25, et les rediviser par 2, 50 par 2, 25 pardon, par 2, 12,5. Donc là vous voyez, hop, je regroupe, tout arrive là, tout arrive là. Ensuite, ici je divise par 2, donc 1 à gauche, 1 à droite. Là je redivise par 3. Donc ils vont dans 3 nouveaux regroupeurs, comment ça s'appelle, répartiteurs. Et les répartiteurs qui redivisent en 2. Et là je vais vous montrer. Mais derrière c'est pareil. Là ça redivise en 2 de chaque côté. Un vrai merdier. Enfin j'ai adoré faire ça, hein, mais un vrai merdier. Et voilà, j'ai vraiment kiffé faire ça. Bon, avec un petit problème de... pas très... comment on appelle ça, c'est pas très parallèle du fait que les tailles des usines sont différentes, les machines sont différentes. Bon, pareil pour l'acier et le cuivre, c'est vrai que je peux pas passer par dessus. Vous voyez, hein, l'acier produit, le cuivre là-bas, ça produit, alors on voit à peine, je suis pas sûr que... Alors, si vous êtes en plein écran, peut-être que vous verrez, mais on va rapprocher un peu, c'est par contre, ouais. On est en optimisation de place et on est en blocage permanent si on va pas où il faut. Ah bah dis, c'est terrible ça. Voilà, merci.
Bon, bien sûr, il reste la place, hein, c'est pour ça que j'ai laissé un peu de matériel ici au cas où. Voilà, tout ce qui est bobine de cuivre. Un fil de cuivre, pardon. Fil. Les tuyaux, les tuyaux, les plaques. Les plaques. Petite erreur de ma part là. Ah, ici, c'était. J'ai mis des plaques et des tuyaux, tiens. Ah! Aller là-bas. Moi je vais essayer de le faire aller là-bas. Ça traverse? Non, ça traverse pas. Si je le mettrai à viol, ça devrait être mieux. Hop. Voilà, oui, parce qu'effectivement j'ai moins de prod de plaques de métal, donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu échanger. Bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Il est en train de me demander, j'ai pas d'accumulation. Ah, j'ai vraiment fait ça bien. Hop. Bon, ce que je pourrais faire, c'est inverser, faire en sorte que là, plus tard, mais que les tiges arrivent ici et que les plaques de métal arrivent là, et ce sera plus simple pour tout regrouper. Donc les plaques de métal, non, les tuyaux, les plaques de métal. Voilà. Et les vis à gogo. C'est une, c'est, j'en ai une chier, hein, les vis, hein, je peux vous dire. Ouh. Là, ce qui est bien, c'est que tout rentre à vitesse normale. Enfin, il n'y a pas de débordement. Même si on pourrait se dire, mais là c'est vrai qu'on est sur deux hauteurs, donc forcément c'est jugulé par deux répartiteurs. Ça passe. Et maintenant, bah, y a les prochaines étapes. Plus compliqué. Plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mes petites fiches, vous les entendez. Ah oui, bah effectivement, si je vous frappe avec, ça va. Ouais. Pourquoi j'ai des résidus de pétrole lourd ici? Non, je me suis trompé de fiche. Alors. Poutre en acier, j'ai tôle de cuivre, j'ai câble. Alors oui, il va falloir des câbles. Des câbles, il m'en faut 60 par minute en production minimum. Je vais parler en minimum, hein. Il va falloir des câbles, il m'en faut au minimum 60 par minute. Sachant que un câble, ça me prend 30... Non, il me faut... Pardon, je la refais. Ok. Donc déjà, on va aller là-bas. On va aller vers le cuivre. Il me faut 30 câbles par minute en production, minimum, pour pouvoir subvenir au reste de la production. Et ça me demande 60 fils par minute. Ok. Oh, j'arrive déjà au bout là. Oh merde, il y a un gros caillou là. Ah, oh, c'était pas prévu ça. Je m'en occuperai plus tard du coup. Je vais faire les câbles là-bas alors. Voilà, donc là j'ai une bonne arrivée en plus. J'ai même... deux bonnes arrivées. Je produis, ça doit être 90 par 2, je produis 180 câbles ici. Ouais, je peux juste prendre ça et dire en prendre 60, donc soit je fais un convoyeur MK1 et je fais deux câbles, enfin, deux fabriques de câbles, ça devrait suffire en vrai. Je me demande pourquoi des câbles. Bon, au cas où je vais tirer un 120 et je vais faire 4 usines de câbles. Ouais, allez hop. Donc. Constructeur.
Comment je l'ai fait ça? Est-ce que je l'ai fait en normal ou je l'ai fait en... je vais les faire, je vais les faire comme ça. Ça risque d'être long là. Ça risque d'être long, je veux dire ça risque de faire long. Ça risque de prendre trop en longueur là. J'ai beaucoup de place mine de rien. Vache. Ouais, j'ai consommé tant que ça. Bon, après ça fait moche sinon. Bon, je vais faire comme ça, c'est pas très grave, de toute façon j'arrive au bout. C'est terrible parce que là, ça sent plein milieu. Ouais, si, allez. C'est quoi? Parce que j'ai la flemme. Il faut être un peu flemmard des fois dans la vie. Hop, et au cas où je changerai, et de toute façon, je préfère pour la longueur du machin. Voilà. Ok. Je divise par 2 et redivise par 2 si je prends un MK2. Je fais un convoyeur MK2, je vais diviser par 2 et je vais rediviser par 2. Comme ça, convoyeur MK2, ça peut prendre que 100 maximum. Ça, je prends une seule sortie au cas où j'ai besoin de tirer encore du fil. Attends, ça c'est marrant ça. Là, j'aurai ce qu'il faut. Alors, ça répartiteur, l'entrée elle est où? L'entrée elle est là. Je suis en face là. Ah bon? Ah ouais. Hop. On sort MK2. Et mettre un. Je suis trompé. Ah merde. Ah mais il est pas dans le bon sens. Il est pas dans le bon sens du tout. Répartiteur. Mais alors. Que j'ai foutu moi. Bon, ce sont des choses qui arrivent, je suppose. Faut que je me trompe, faut que je prenne MK2. Là, il est pas en face là, si? Oula, oui, non, il est surtout trop en face. Il est surtout très très en face là. Ah bah dis donc, j'ai du mal. Hein. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Ok, impeccable. Ça jugule bien. On est bon. On est bon. Alors on va le faire ensemble. Hein, tout ça. Ouais, je l'ai pas dit, mais on pourra continuer l'usine ensemble. On a peut-être dû le préciser en début d'épisode. Hein. Oui, bah oui, mon gars. Les paramètres. Câble. Câble. Bon bah, j'ai raté mon saut. Câble. Et. Câble. Voilà. Ça produit combien ça? 30 câbles par minute. Est-ce que je leur mettrai pas tout. Je vais faire des regroupeurs et je vais tout regrouper. Hein. Hop, 60%, ouais, on est bon parce que c'est du 2x30. Là, je l'ai encore mis à l'envers, mais c'est fou ça. Et j'ai vraiment un souci avec les trucs là aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que je bouine. Hein. L'autre il doit pas être bon non plus, hein, vu que celui-là il est... La sortie... Attends, c'est quoi ça? Ah non, je l'ai mis en entrée, ouais c'est bien ce que je pensais. Hein. Je l'ai foutu, ouf. T'es pas concentré, ça arrive. Tac, et là je vais faire un deuxième regroupeur. Est-ce que là c'est bon? Ça fait beau? Non.
Et trop loin. Oui, ça c'est bon. 30, 60, et là il me faudra en face de mon conteneur industriel. MK2. Voilà. Pas les MK2. Enfin, les MK2 sont chers. Je produis pas beaucoup de la matière de base. Donc j'évite d'en utiliser, mais bon, bah, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ensuite, l'alimentation. L'alimentation. Comment que c'est que je vais encore réussir? Ok, ouais, on va mettre un là. Et un au même endroit. Ça, je me trompe pas, oui, c'est ça. Tac. Tac. C'est pas vrai, il manque des câbles. Je pensais avoir pris ce qu'il fallait, j'en ai pas tiré tant que ça, tant. Ah, mais il y a des câbles dans les constructeurs, je crois. J'y ai pas pensé. Bon, vous avez vu, ça a un peu tourné. Hop, pendant que je recherche mes ressources. Ah voilà. Oula. Doucement sur la quantité quand même. C'est un peu tourné, il y a je pense la moitié et trois quarts de plein. Tant mieux d'un sens, je vais en avoir besoin. Puis là vu que c'est encore en train de tourner, ça se remplit rapide. Hein. Je sais pas combien on est mais... Ouais, là c'est 500. Hein. Oui. Donc les câbles c'est fait. Il me faut des poutres en béton armé. Ah. Il m'en faut 24 par minute. Non, il m'en faut... Si c'est ça. Non. Pourquoi j'ai besoin de poutres en béton armé? Ah non, c'est pas que j'en ai besoin. Pas de suite. Ça me sert pour des crafts, ça. Pardon. Je sais plus quoi, mais il y a des choses qui demandent des poutres en béton armé quelque part. Je pense que c'est pas la MK2. Ouais, la foreuse MK2. Hop. Alors. Excusez-moi un instant. Bah non, merci. Hop, voilà. Merci d'avoir patienté. Maintenant que j'ai ça... On avait dit poutres en béton armé, mais pour ça il me faut des poutres là-bas. Et ça me demande combien? Ça me demande 24 poutres en acier par minute et 30 béton par minute. Pour 6 poutres en béton armé par minute. Waouh! C'est richesse, hein. Pas du tout. Je vais le faire là. Parce que plus tard, on pourra débloquer un truc. Je l'ai pas. Hein. Mais en gros, des convoyeurs de côté là. Des convoyeurs qui pourront être accrochés sur le côté. Là, ça sera pas mal. Donc je vais le faire ici. De toute façon les mes poutres elles sont là. Hein. Bah c'est parfait. Ah bah. Donc bah, c'est juste parfait. Je vais quand même aller tirer mon convoyeur.
pour qu'il me ramène les... Le béton, voilà. Bon, ça sera moche au début, mais... Mais attends, mais je peux le... Ah, mais je sais, je vais le dévier. Voilà. Alors, je vais le dévier d'autant plus que je vais devoir modifier un peu des trucs. Parce que là, je produis 45 calcaires par minute. Je produis 2 fois 45, donc 90. Or, j'ai une production de 120. Donc, je rajouterai un constructeur. Hop. Et toi, viens là, mon ami. Courir MK3. Le sol est trop incliné. Ah oui. Non. Hop. Ouf, j'ai réussi à le monter d'un coup. Trop bien. Trop fort. Et on va monter là-bas. Le sol est trop incliné. Ouais, ils aiment pas le sol incliné. Ah. Alors, c'était pas prévu ça. Je vais me faire un pylône. Que je vais faire arriver. Ici. Hop là. Ok, je vais tirer. Ah oui, alors, effectivement. Un détail un peu limite. C'est normal. Sur quoi là? Ça touche pas le poteau là. Et ah, oh, ça touche la hitbox du poteau. Ouais, non, c'est bon. Ouais. Regarde, regarde visuellement. Ah. Hop, on va tirer ça jusque là. Ah, j'ai plus de poutres en acier. Bah, bien sûr que j'en ai des poutres en acier. Pour le coup, c'est pas loin là. Allez. 24, ouais, ça va être chaud à faire 24. Comment je vais me débrouiller pour avoir 24 seulement dans une vie? Faut que je fasse rentrer 24 poutres. J'ai 60, 60, je divise par 3, ça me fait 20. Par 2, non, ça marchera pas. 20. Je divise par 2, je divise par 3. Ça fait 10. Non, je divise par 2. Je divise par 2, ça me fait 15. Ah, c'est terrible hein, ça. Comment tu veux que je trouve les 4? Est-ce que je vais être obligé de vraiment de faire diviser par 3? Bah non. Divisé par 3, 20, divisé par 2. Ben non. Oh, mais non, c'est pas possible. Divisé par 3, divisé par 20, 20, 20 divisé par 2, 10, 10 divisé par, par 2, 5. Ouais, mais là on arrive à. Oh, c'est terrible. C'est terrible cette histoire. À moins que... Je vais tester un truc, mais... imaginons, on a... Je vais vraiment faire un truc à l'arrache, hein, mais... Hop, on a ça. On va faire le même un tout petit peu plus loin, là. Voilà. Et là, on met un répartiteur. On est entré là.
Et que là, je mets, je sais rien, ouais, je mets ça là. Bon, par contre, monte à la vitesse les mecs, parce que terriblement long. Hop, hop, hop. On est d'accord, ça passe, hein. Ah, une fois que c'est bloqué, tout passe là. Ok, bah je vais pas m'embêter alors. Je vais pas m'embêter. Ah oui, forcément le béton il est arrivé. Je vais diviser par 3. J'ai dit j'en faisais combien de ça? 3 béton armé. Je vais en faire une. Je vais en faire une seule, en vrai. Hein. Si j'en fais qu'une, je la mets là. Hein. Oui. Ça c'est, par contre, c'est une assembleuse. Ah. Il manque des rotors. Oui, effectivement, ça, j'en fais pas tous les 2-3-4 matins. J'en ai pas encore, l'usine de moteur, de rotor, je veux dire. Mais ça viendra, ça viendra. Donc pour... C'est pas pour dans longtemps. Non, pour pas longtemps, c'est pas pour dans longtemps. Au choix. Ah, c'est pas pareil en même temps. Ah, j'en ai là. J'ai pris quoi? Bah justement, on les dit plus trop béton armé. Donc, assembleuse. Non, dans le bon côté, ce sera mieux. Dans le bon sens, je veux dire, ce sera mieux. Et je vais la faire ici. Voilà. On va mettre un répartiteur. Hop, l'entrée ici. Prends quand même. Oh là, c'est pas en face. Voilà. Ça. 24 par minute. Ok, je peux. Oui, je suis bête. Donc je vais lui mettre ça. Je vais lui mettre ça. De toute façon, en prod, on est à. On a combien de poutres par minute? On est à 30 en tout. Ah ouais, on n'a pas plus. Ah oui, je lui mets tout ce que je peux alors. Pas ah, terrible. Et hop, tout le surplus, ça se barrera là-bas. Parce que j'utilise que pour une chose, hein, les poutres. Attendez, je vérifie. Oui. Donc ça, tout le surplus barrera par là-bas et ira dans mon stock. Dans le stock final. D'ailleurs, faudrait que je fasse à la fin un endroit où ça regroupe tout. Parce que si j'en mets tout là-bas, ici, là, un peu embêtant. Un peu comme là, en fait. Un bon truc qui regroupe. C'est pour faire quoi, ça, déjà? Ou les poutres en béton armé. Ok, c'est bon. Je vais faire un truc pour alimenter. Et là, normalement, elle est censée fonctionner. Bah non, elle est pas censée fonctionner, j'ai pas mis de béton. Mais ça prend quand même quelques réserves. Hein. Les poutres en acier, en veux-tu, en voilà. Je vais venir en MK3, vas-y. Venir en MK3. Trop d'acier, j'ai ce qu'il faut. Hein. Hop là. Ah.
Et voilà. Je jugulerai, je ferai en sorte qu'il arrive pile ce qu'il faut aussi là-bas plus loin. Joum, 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 joum. Ça mange du béton, 30 par minute. Pas de problème. Voilà, ça mange aussi comme il faut. Ensuite, le cadre modulaire. Non, j'ai pas un autre truc à faire avec du... de l'acier. J'ai rien avec les tubes en acier. Ah si, j'ai des stators. Ah oui, mais avec du fil électrique. Oh, c'est terrible. Il y a un truc qui va traverser, il va faire... du cuivre à ici. Parce que je préfère le faire là, j'ai un peu plus de place. Oui. Bon, mon virage il est comme il est. Donc à partir de tube en acier. Assembleuse. Voilà. C'est cadre modulaire, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'était le stator. Oh, la mauvaise nouvelle, il m'en faut deux. Il m'en faut deux de ça en plus. Mauvaise nouvelle, je sais pas pourquoi au final. Stator, hop là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Assembleuse, j'ai ce qu'il faut pour une deuxième ou pas? Ah, c'est bon. Ça aurait été de mauvaise nouvelle si je n'avais pas ce qu'il fallait, mais j'ai ce qu'il faut. Ça me demande combien? 15 tuyaux par minute. 15 tuyaux d'acier par minute. Je dois diviser par deux, je dois rediviser par deux. Ah! Ah, en bonne nouvelle ça. On va se débrouiller comme on peut. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Donc là, c'est un normal. Ah oui, ben non. Ah oui, mais en fait, c'est que je suis pas centré en plus. Je vais les décaler. Je vais faire en sorte que ça soit centré et ça devrait passer. Ça prend pas... Ah ouais, ça prend un peu plus que... Ça prend à peine plus en largeur que ce que je pensais, ok. Bon, c'est pas bien grave. Hop, une assembleuse, etc. Et j'avais dit comme ça, voilà. Normalement là, on est impec. Voilà. Donc là j'ai les tuyaux. D'ailleurs, c'est quoi ces routeurs? C'est stator. C'est stator. Voilà. Mais j'ai mes tuyaux qui arrivent, donc divisé par 2, divisé par 2. Et le surplus, il va se barrer là-bas. Hein. Il va se barrer là-bas, par-dessus ça. Ouais, c'est bien ça. Quoi? Je touche quoi là? Là, je suis au travers et ça me le permet. Mais quelle arnaque! Aïe, aïe. Hop. Alors, ouais, je vais faire ça bien parce que là, pour le coup,
J'ai un peu de place. Voilà, et tout le reste ça videra par là. Donc j'en ai 30 là qui se barrent par là par minute, et là j'en ai 30 qui se barrent par là par minute. Bon, là vu que c'est complet, tout se barre par là, mais... Là vu que c'est complet. Et il me faut du fil. Quelle idée. Quelle idée. Pourquoi je veux... Pourquoi avoir du fil ici? Non mais vraiment. Je me demande en vrai si je peux pas le faire passer par là, hein, je pense. Faire passer par le... Ah, j'ai des câbles électriques. Mais bon, effectivement, je peux pas le faire passer n'importe où. Faire passer comme ça. Alors, ça c'est le plus bas, ça c'est le... Ça, vu que j'ai des trucs montants, il me faut plus haut. Il me faut ça. Ok, il me faut ça en hauteur. Et je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Oh, j'aurais pu faire un effort. Hein. Franchement. J'aurais pu le faire là, quoi. Alors, 1, 2. Ici, 1, 2. Hop, et un petit dernier ici. Ah, je suis bloqué par un câble. 1, 2. Voilà. Je me souviens plus du tout combien il en faut. Combien il me faut de fil de cuivre par minute, sachant que j'en ai besoin de 2. C'est pas 60. Ou n'importe quoi. 80. C'est chiant ça aussi. 80, bah 120 et je divise par 3. Non, ça va. 120, je divise par 3, j'en prends 2. Voilà, du cuivre, il y en a là. Bonjour, bonjour. J'aurais besoin... Oui. Non, c'est pas ici, c'est là qu'il me faut. Au cas où je continue, 1, 2, alors là on va moins s'amuser par contre, on va essayer à en prendre de là, répartiteur, si on prend un comme ça, un répartiteur, c'est le bon niveau. Je crois, hein. Merde. Ah, j'ai réussi à en mettre un dans un. Je suis fort. Ok, c'est bon. Alors, logistique. MK2 pour les 120. J'en prends 2. Qu'est-ce que... Putain, j'étais perdu pendant un moment, j'ai rien compris là. Je trouvais plus, je me retrouvais plus. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, ce qu'il me faudrait, c'est un qui fasse. Oh, c'est con dit comme ça, mais. Oh non, terrible. Tout est pris. Je voulais refaire rentrer dans... Ah, dans les stocks, dans le conteneur. Mais bah non quoi. Je vais réfléchir. En attendant, pendant que je réfléchis, je vais alimenter les poteaux. Je vais alimenter plutôt les machines. Comment ça, elles sont déjà alimentées? Quoi? Non, j'ai du câble là.
Ah ouais? Ah! Oui, c'est juste que j'ai pas. Ok. Je vais. Faut pas que j'oublie de tirer un câble en partant là. Bon, ça règle toujours pas mon souci par contre. Bah, tout simplement, j'ai envie de dire. Ça, je le mettrai autre part. Bah, quand je tirerai le. Vu que je fais le. Ouais, c'est ça. Allez. Cooper, on va essayer de se mettre comme il faut. Bon, ça, forcément, par contre, c'est du convoyeur 3. Hop, ce que je vais faire, c'est ça. Alors, c'est ça ou ça va dépendre? Ça va dépendre. Parce que ça, en vrai, où est-ce que je peux le mettre? Alors, je vais juste le placer, je vais voir comment ça. Enfin, pas dans le poteau, ouais. Par là, en vrai, il peut. Par là, il m'a. Il dit pas non. Alors, c'est comment? C'est comme ça. Non, de toute façon. Il veut pas. C'est bon. Alors. Tac. Je vais tester autre chose. Ah mais non, je vais tester carrément autre chose en fait. Regardez. Je vais essayer un truc. Hop. Là, je dis. Ici. Bon, ça va bouger, hein. C'est compliqué les travaux. Le convoyeur est trop court. Oh, sniff. C'est reparti. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est pas un. C'est ça qu'il me faut. Là, en vrai de vrai. Passe, non? Ouais, pour le côté réaliste. Oh merde, j'ai un poteau en plein milieu. Oh non. Ah oh, c'est terrible ça. Déplacer un pouillard. Là en plus c'est beau, même les fils ils passent juste au-dessus sans toucher là. J'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. Alors, est-ce que là je peux faire pop un poteau? Oui. Alors, on va faire ça bien. Un poteau là. Et un poteau là. Putain, c'est magnifique, n'est-il pas, franchement? Oh la vache.
Ça, c'est ça pour le coup. Là, j'ai fait de l'optimisation. C'est pas souvent. Là, j'en ai fait. Alors, et là, on va jusqu'à. Voilà. Hein. Courrier est trop long. Non. Wesh! Vraiment pour ça. Mais quand même, il le permet là maintenant. Oh, c'est pas grave. Je vais pas chercher à comprendre. En vrai, ça m'arrange. Donc, voilà. Bon, il doit y avoir un angle en vrai. Ça va être intéressant. Ça arrive, bonjour, 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 excusez-moi. Merci. Je vais devoir rediviser par deux là. Tiens, je vais tester quelque chose. On est bien? Comme ça. Comme ça. Avec ça qui vient là. Franchement. Là, niveau optimisation, les gars. On va chercher le... On va aller chercher un poteau là-bas quand même pour. Donc j'ai l'impression qu'il m'en envoie un peu trop là. J'ai vraiment l'impression qu'il m'en envoie trop. Oui, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Que là, lui, il faudra en faire sortir quelque part autre. Ok. Hop, on va faire passer tout ça là devant les conteneurs. Ouais, ça va. Voilà. Ce qui fait que là-bas, ça a dû se lancer, j'espère. Je vais vérifier au cas où. Oui, je vois des trucs là qui. Je vois des trucs sur les tapis roulants, ouais, ce sont les bobines. Ouais. Une bonne petite prod. Ah, du MK1, non, c'est du MK2, ouais, je me dis. Ouais, ça produit, voilà. Ici, c'est bon, là aussi. Il y en a partout. J'adore cette sensation. Je sais pas si vous savez l'appareil, mais j'adore cette sensation là de. C'est le bazar, mais en fait, non. Alors. Et je faisais ça pour ça, oui, voilà. Ils sont alimentés, eux. Je sais pas s'ils sont alimentés. Pas du tout. Pas du tout, non. On va les alimenter quand même. Alimenter de quel côté? De l'autre côté, ok. Les alimenter de là, hop. Tac. Bonjour, bonjour. Voilà. Et là, on produit nos stators. Nos petits, jolis petits stators. Par contre, non, je vais pas le mettre là, lui. Je vais avoir besoin de sa place. Oh, quoique si, j'aurais pu le laisser. Oh, allez. Oui, si, allez. Excusez-moi, je vous ai débranché pendant un instant. Heureusement que je parle d'une machine là, parce que sinon ça aurait pu poser problème. Oui. Bon là, vu la quantité qui sort, autant dire le M15 c'est largement suffisant.
Voilà, on a une jolie rotor, un stator, pardon. Je vais faire des cadres modulaires maintenant. Pour les cadres modulaires, il nous faut des plaques de fer et des tiges de fer. On va sortir de toutes ces vis là déjà. Ah, on y est là. Plaques de fer. Tiges de fer. C'est 3 par minute, plaques de fer. Ah non, oui, non, c'est des plaques de fer renforcées. Non, j'ai rien dit, mais on va faire des plaques de fer renforcées. Donc vis et plaques de fer qu'il nous faut. Il faut 30 plaques de fer par minute. Mais attends, mais je vais pas avoir de rab là. Produit commun des plaques de fer par minute. 60, j'espère. 40, ok, si je vais avoir un peu de rab. Heureusement que j'ai du rab. Plaque de fer et vis, donc on va mettre un truc là. Et... une plaque de fer renforcée, j'en fais 5 par minute. C'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, mais sur la durée... Voilà. 5 par minute, ça m'en fait 300 par heure. Ça va. Je vais le faire là, je vais le faire en plein milieu, là, c'est bien. Production... Oh, on me dit plus. J'ai manqué de... J'ai manqué de rotor. Et je crois que j'ai fait les stators. Zut! Zut! Ouais, non, pour les... Pour les rotors, il me faut... Attends, quoi? Des tiges de fer et des vis, c'est tout? Oh, ok. Je vais faire quelques rotors, quand même. Voilà, on va en avoir besoin pour les prochaines machines. Ah! J'ai pas pris des vis. Est-ce que par hasard j'en ai qui traînent dans le coin? Vraiment? J'ai vraiment pas de vis? Oh bah purée. Oui, pas de vis, hein, pas un pas de vis. Enfin voilà. Bon, j'ai déjà fait plus fin comme humour. Mais bah, je vais aller chercher ça. Non, j'ai fait marche arrière, je sais pas comment j'ai fait marche arrière, mais j'ai fait marche arrière. Ouais, bah ils sont là-bas, les vis. Ok. On va lui en piquer un petit peu à ce conteneur. Bonjour, bonjour. Je vais t'en prendre, s'il te plaît, 1000. De toute façon, vu la quantité que tu produis. Ça devrait aller. Ouais, les vis, on va en avoir besoin pendant... On va en avoir beaucoup besoin. Youhou! Comment je vais en faire de ça? Enfin bon, une vingtaine. Ça sert toujours. Oh, c'est quoi qui va être utilisé en premier? Ouais, les vis. Ouais, tu sais quoi, je vais en faire, je vais faire tout. Les vis, j'en ai beaucoup. Je vais faire la quarantaine là qui était prévue de base. Ah, ça me bouge de la tige hein, quand même. Allez. On va continuer. Après, je sais plus du tout ce que j'étais en train de faire moi. Plaque de fer renforcée. C'est bon, ça me revient. Et avec les plaques de fer renforcées, on fera des cadres modulaires. Bah c'est où? Je crois que c'est pile là. Ah oui, au début je m'étais trompé, hop. Assembleuse. Là, pour le coup, c'est plutôt simple.
Harvester. J'ai pas besoin de vitesse. Hop, plaque de fer renforcé s'il vous plaît monsieur, merci monsieur. Et oui, bah, par ici, un répartiteur. Voilà, voilà. On va alimenter, ça s'alimente par où? Par dessus, très bien. Ah, on a des poteaux. Oh, impeccable. Ah non, pas par dessus, c'est par le côté. Ah, bah, j'ai eu de la chance. Bon, au pire, j'aurais mis un poteau. On a nos machins. Bloc de fer renforcé. C'est long, c'est long. Oui, vous voyez, hein, ça arrive. Pourtant, ça arrive bien. Hein. Bon, j'ai pas besoin de plus, hein, 60 par minute. Ah, bah, les vis, c'est tout pile. Attends, pardon. Ça me consomme. Oui. C'est ça. Ensuite, avec ça, des cadres modulaires. Donc, il me faut des tiges. Encore ? Non, c'est là-bas. Et des plaques de fer renforcées. Donc ce que je vais faire, les tiges, je sais que j'en ai là, je vais faire une deuxième assembleuse ici et je vais tricher un peu. Enfin je vais tricher vite fait, là j'ai de la place, c'est de mon côté. Alors pourquoi je fais ça? Parce que des fois ça se fout un peu de traviole et c'est pas très agréable. Alors, 1, 2, 1... 2. Regardez, ça touche rien et pourtant ça met en orange. Juste à cause de la hitbox de la machine. Alors on est là. Hop, et... Voilà. D'ailleurs, il faut combien de tiges? 12. 12. Oui, bon, bah, coup classique. Là, ce qui est bien au moins, c'est que j'ai pas réfléchi en faisant ça. Hop. Et lui, il se barrera. Par là. Avec le trop-plein. Avec le trop plein là je vais devoir aussi l'utiliser. Oh, ça passe en vrai là. Hop, ça touche rien en plus. Il y a la place pour passer en dessous. Ouais, c'est bon. Ça va pas alimenter assez là. Là je divise par deux. Par. Ah. Pas bien grave. Hop, toi, hop, s'il te plaît, tu alimentes ça. Non, faut pas déconner non plus, on est trop loin. En route, hein. J'ai pas relié. Voilà, les plaques de fer arrivent, les tiges de fer, pardon, arrivent. Bon, ça met un peu de temps à charger, hein. C'est du. Du MK1, hein. C'est bon. Mais une fois que c'est chargé, ça se met au travail.
Impec. Alors, maintenant que j'ai les cadres modulaires, j'ai ça, j'ai les vis, j'ai les tiges de fer. Il manque plus que les rotors. Bon, ça, il me faut des tiges de fer et de la vis. Ah non, il manque les moteurs aussi, quand même. Là, il me faut 3 rotors. 3, enfin, 3 fabriques de moteurs, 3 assembleuses pour les moteurs. C'est ce qu'il faut, hein. Oui, c'est bon. Alors. Là. Là, il va falloir faire ça un peu. Pas faire ça comme un bœuf. Alors. Voilà. J'ai mes 3 fabriques de moteurs. De rotors. Vis par minute. Ouais, ça va consommer. Hein. Là, la vie, ça va partir. Hein. Oui, elle va partir vite. Pourquoi j'ai fait plaque de fer renforcée, hein. N'importe quoi. Rotor. Ouais, 100 vis par minute. Ça, il m'en faut 20, donc 60 divisé par... Hop. Voilà. On a nos tiges de fer déjà à s'alimenter. Enfin, elles sont alimentées par un tige de fer plutôt. Je vais faire une ligne intermédiaire. Ça va manquer sinon. Alors ça va être limite, j'aime pas être limite, je préfère toujours avoir un peu de marge. Hop, voilà. C'est alimenté. Ouais, c'est là que c'est compliqué, là il faut que j'aille chercher les vis. Ouf. On a beaucoup de vis là. Tiens non. J'aurais-t-il pas oublié de relier quelque chose là? Totalement. Ça produit combien de vis par minute ça? 40. Non, 5. 50? Parfait. Ce que je vais faire, deux choses, deux sorties. Voilà. Avec les vis, c'est de la vis, ça. Non, c'est pas de la vis, ça. Non, ça, c'est pas de la vis non plus. Je vais faire une sortie. Mais j'ai déjà une sortie à 30. Je vais faire une sortie à 270, donc avec les MK3, une sortie à 30, et je vais la diviser en 3 et ça sera bon. Donc là, vu que j'ai la sortie ici, on est bon. Attends, juste être sûr. 60 vis par minute. C'est 60. Vraiment? Vache. Je vais m'arranger. Je vais retirer ce convoyeur, je vais prendre un regroupeur. Regroupeur. Ah. On a peut-être un pouillat trop coulé là. Ah, je vais prendre du MK3 parce que j'ai aucune idée de comment ça va prendre. Excusez-moi de vous avoir arrêté, et là, je vais dire toi tu vas là-bas.
Comme ça, là, j'ai juste à mettre un MK2. Dans quoi? Ah, terrible. Terrible là parce que j'étais obligé de bouger le répartiteur. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Hop. On a MK2. Oui, excuse-moi, toi tu vas manquer un peu de vis pendant. Hop, on branche là-bas, ce qui fait que là, on a 60, là pour l'instant on a 60 parce que c'est divisé par 2, mais surtout, si je fais un regroupeur là, là j'ai de quoi en faire sortir. Ah non, MK3 on avait dit, ouais, forcément MK3. Ah ouais, ça me sert pas celui-là, ok, ça me sert pas. Ah, c'est la bonne question là, c'est est-ce que c'est trop près? Très certainement. Oh, c'est tout pile hein. Alors là, c'est vraiment tout pile. Il faut que j'aille jusqu'où? Jusqu'à là. Ok. Donc là, je vais rélever d'un niveau ici. Et je le fais où mon, ma division 3 moi sinon? Oh merde, j'ai pas pensé ça. J'ai clairement pas pensé. Bah si. Vu que j'ai exactement ce qu'il faut là. C'est un groupeur, non, c'est un répartiteur qu'il me faut. Là je fais mon entrée comme ça. Là je fais une nouvelle entrée. Comme ça. Là je fais une dernière entrée comme ça. Ça me dit toujours pas comment. C'est un répartiteur, hein. J'ai mis l'entrée là, sinon je peux mettre l'entrée sur le côté, c'est pas mal aussi. Parce que sur le côté ce sera moins chiant. Pas du tout. Non, c'est.
Ah! Bon, là, c'est trop incliné. Attendez un peu. Le problème, c'est que je peux pas baisser plus. Donc, je vais faire demi-tour là. Ce sera pas spécialement beau, mais moi, pas trop le choix. Donc, comme voyant MK3. Regardez, ça fait le tour du poteau en plus, magnifique. Attends, je vais me gourer quand je l'ai fait. Non, c'est pas que je me suis gouré, c'est que j'avais pas le choix. Enfin, je pensais qu'il arriverait pas par là. Ok. Là ensuite, faut que je trouve un moyen. Oula. Tellement plein de bazar que. Je vais refaire ce petit passage là, là pour qu'il soit droit. Ou moins tordu. Voilà. Après, pourquoi je le colle autant, j'en sais rien. Ah, c'est bon. Ah, si, je sais pourquoi je le colle autant. Ah, c'est bon aussi. C'est ma. Oh là, bah, par contre, alors là. Là pour y arriver, bon courage. Hein. Bon courage moi. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais. Bah si. Je vais m'y prendre de manière tellement simple. En vrai. Alors, tac, 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 tac. Hop. Ça devrait être bon. Pas ouf. Là c'est mieux. Ouais, c'est mal payé. C'est mal payé là, hein. Bon, ça, trompe incliné. M'étonne, tu descends avant de remonter, toi. Je vais voir si je l'incline comme ça. Attends, là ça passe, et là ça passe pas, là. Bah au pire je le fais passer par au-dessus, écoute. Ce sera original, mais tant que ça fonctionne. En plus, si ça se trouve, il se fait son petit virage tranquille. Non, mais bon, alors là. Oh si ! Mais non ! Non mais vraiment ? Mais ça, c'est pas trop incliné, ça ? Ouais, ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là. Oh la vache, ah ouais, ça fait le plein de vis là. Alors, ah oui, mais j'ai pas branché. Là-bas non plus. Fait que normalement on aura ce qu'il faut par minute. Il faut que ce sera plein parce que lui, lui il va se remplir. Enfin, il y en a un qui va se remplir plus rapidement que les autres. Et, vu que j'ai le nombre de vis qui arrive, normalement ça devrait être bon. Bon, le premier il va peut-être galérer pendant un moment. Parce que là j'ai 270, 300 qui arrivent. Là je divise par deux, donc là il y en a... Ah bah non, le premier va se remplir tranquille en fait. Il y en a 150 qui arrivent pour le premier par minute. Oui, le premier va se remplir tranquille. Pour le deuxième, on a 75, donc lui il va galérer un peu. Pour le troisième, on a 32,5. Il va vraiment galérer.
Mais là, 73, 75, 76, 76. Si lors de la prochaine construction on a plus que 76, ça veut dire que ça se remplit. Sinon, ça veut dire que c'est pas bon. Ok, on va avoir plus que 76. On va avoir 80, 85, 84, 85. Waouh! Ah, il est quand même même 80. Ah, il y a un sacré débit hein, quand même qui vient. Lui, il se vide un peu. Il a 17 sur un. Une fois que ça se refait. Et lui. Ah oui, bah non, mais lui. Ah, il... oh, quoique. Non, lui, il a baissé un par rapport à tout à l'heure. Lui. Ah, il est à combien? Il était à 17. Il est à 17 encore, tiens, étrangement. Et toi, tu es bientôt plein, voilà. Et une fois qu'il est plein, là, ça va faire bouchon. Attends. On peut en mettre, il y en a combien en stock, des vis? Ah, c'est pas 500 qui peut en stocker, lui? Attends. Je vais arrêter les autres machines, lui, il va tout prendre. On va voir. En fait, une fois qu'il sera rempli, les autres pourront se remplir plus facilement. C'est même mieux que ça, une fois qu'il sera rempli, lui, les deux autres pourront fonctionner normalement. Et pas au ralenti. Parce que j'en ai 300 qui arrivent, là ça en pompera 100 par minute classique. Donc on aura 200 qui partiront là-bas, là les deux enduiseurs qui divisent 200 par 2, bah... Et 100 pour chaque, et 100 pour chaque, c'est le nombre de vis qu'il lui faut par minute, donc ça sera impeccable. Bon là forcément au niveau des tiges de fer il y en a un peu trop bah, parce que ça a eu le temps de stocker. Par contre ouais, ça stocke de la vis hein, et mon dieu, là tout ça là qui rentre. Voum, 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 voum. C'est pas 300, ça va être 500. Et une fois que j'aurai ça, et ben j'aurai plus qu'à relier mes moteurs et les stators et faire de jolis moteurs. Donc un moteur égale deux rotors de stator. Donc là forcément je produis 4 rotors par minute. Fois 3, donc 12 rotors par minute. Et si je me trompe pas. Me produit un stator par minute, donc 10 stators par minute. Donc ça va me faire un petit 13 12 rotors par minute. Donc avec un j'en garderai deux en stock quelque part, hein, j'en produis un tout petit peu plus. Et par contre, ouais, les stators, j'en aurais pas en rab. Je vais vraiment produire pis qu'il me faut. Voilà, là c'est bloqué. Le stock est complet. Là j'ai plus qu'à mettre. Bah forcément, là il vient en manger pile quand je remets, mais c'est pas très grave. Voilà, là quand il va se bloquer à droite. Voilà, à gauche ça accélère. C'est vraiment bien foutu en vrai. Et là bah ça remplit assez par minute pour. Pour lancer la construction, j'ai même bien envie là de stopper là pour remplir un petit peu là, pour être sûr que lui il se lance en boucle. Voilà. Merci de ta patience.
Normalement, quand la construction est terminée, je suis censé avoir pile 50 pugistes, c'est ça? Sinon, c'est que c'est pas bon. Un petit problème avec le temps de construction. Quatre par minute. Ça fait 15, ça fait une fois tous les 15 secondes. Pourquoi j'ai une vis par seconde là? Ah, j'ai entre une et une. J'ai entre une et deux vis par seconde en fait. Oui, c'est parce que lui il va se remplir de temps en temps. Donc quand là j'ai deux vis par seconde. Là on est à une vis par seconde. Ouais, bah c'est le temps que ça se fasse sur la durée. Hop, une vis par seconde. Là on est à deux vis par seconde. Ouais c'est ça. C'est que en fait je suis pas stable au niveau alimentation exactement. Tout le temps. C'est pas grave. Donc on a la quantité qu'il faut, c'est bon, c'est pas un problème. Et là on va en finir. On va mettre notre toute dernière assembleuse. On va le mettre en face. Voilà. Voilà. Avec un joli regroupeur en sortie, bien évidemment. Ça peut aller très lentement. C'est pas un souci, hop là, hop là, hop là. Fais-nous un petit moteur, monsieur. Oh purée, attends, j'ai des trucs, je savais même pas que c'était. Câblage automatisé, plaquage intelligent. Ouais, bah ça, ce sera manuel. Là, je ferai ça manuellement, c'est pas un souci. Je lancerai. Ça tranquillou. Sans problème. Et j'ai plus qu'à traîner un convoyeur. Avec mes fameux Stator. Il va être long ce convoyeur. Hein. Oula. Bon, je le bougerai au. Je le bougerai au besoin, mais je vois pas trop qu'est-ce que je vais rajouter de suite. Non, j'ai peut-être non, trop long. Trop long, oui, bien sûr, monsieur, trop long. Hop. Vraiment genre un truc. Vraiment il est trop long de un tic. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais de rien quoi. Ok. On va pouvoir placer notre alimentation ici. Et le brancher, je ne sais pas où. Là-bas, ça a l'air correct. Ok. Les rotors rentrent en attente de Stator. Qui vont arriver. Hein. J'ai pas une production si déconnante de Stator. On va vérifier que ça marche bien quand même. Ça fonctionne comme il faut. Bon, les Français. Forcément, c'est tranquille. Doucement le matin, pas trop vite le soir.
Bon là ça bouchonne parce que il y a eu de la production le temps 2, mais là ça va se remplir tranquillement. Hop là, ça y est, ça commence. Ben voilà, on produit tout ce qu'on avait prévu. Ça m'aura pris pas mal de temps, tout ça, mais ça fonctionne bien. Bah vous savez quoi, c'est ici qu'on va se laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. Ah c'est long, mine de rien. Encore une fois. J'espère qu'il vous aura plu, on aura réussi notre objectif pour l'instant, l'objectif qu'on avait. Qui est d'exploiter fer, charbon, cuivre, même en partie un peu du béton qu'on a. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans les prochains épisodes, on va voir pour développer un peu les technologies, voir si on peut faire quelque chose de plus avec... si on peut faire quelque chose de plus, tout simplement. Et pourquoi pas commencer, en fonction voilà, de ce qui sera demandé, hein. L'exploitation de catharium, de soufre et de quartz. Ça, je vous avoue, je ne sais pas encore. Allez, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiob.